Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Tomek. Je fais des urbex complètement défoncés. C'est ma spécialité, je suis abonné au lieu défoncé. Mais alors là, c'est vraiment le gros bordel. Où est-ce que je me trouve? Dans l'enceinte d'un ancien magasin, un ancien écomarché. Pour l'instant, nous sommes dans la partie plutôt bureau et c'est absolument défoncé. Je sais pas comment dire. Il y a une tornade qui est passée par là. C'est oh là là, tout est tombé. C'est complètement fou. Par contre, il y a la laine de verre partout là. C'est un petit peu dangereux pour la respiration. Heureusement, c'est bien ventilé, donc je pense pas qu'il devrait trop y avoir de soucis. Je vais prendre quelques photos en même temps, tant qu'à faire, parce que j'avoue que j'ai pas forcément envie de traîner très longtemps dans un bâtiment comme ça. Je vais faire attention où je marche parce que c'est très très délabré et toutes les cloisons sont tombées. J'ai pas envie d'avoir une vis de placo dans le pied, ça serait pas mal. Hein. Et donc. Ce qui m'intéresse en fait le plus, oh là, il y a une poussière pas possible, heureusement que je suis pas allergique à ça parce que... ce qui m'intéresse le plus en fait c'est la partie magasin. C'est la partie magasin qui a l'air quand même assez folle. Une surface c'est absolument immense, pour le moment il y a absolument rien. Donc on va continuer la vidéo et puis j'essaierai de garder les endroits les plus intéressants parce que là pour le moment... C'est vraiment un bâtiment complètement ravagé. Donc c'est parti et puis on va bien découvrir ce qu'il y a dans le lieu. J'avoue que j'ai pas du tout d'idée de ce qu'on va pouvoir trouver. C'est une base logistique du groupe Les Mousquetaires. Voilà. Donc c'est un grand hangar vide, assez impressionnant. Et si vous êtes fatigué, vous avez un petit canapé. Si au cours de la visite vous êtes un peu fatigué, vous pouvez vous reposer. Mais en soi, c'est un super terrain de jeu. Là-bas, il y a une voiture. On ira la voir après. Mais là, déjà, c'est complètement fou. Tout est vide, malheureusement. Mais donc, on va continuer la visite. La visite va être rapide. Il y a des pneus, de temps en temps. Je sais pas ce qu'ils foutent là. Hop. Mais, ouais. Pour faire des photos, il y a de belles perspectives. C'est tout. Mon pneu, reviens. Il roule bien. Ah. Je vous avoue que c'est pas plus intéressant que ça. Donc, je vais continuer un peu à prendre des rushs vidéo, mais... Je sais pas trop si tout sera publié, je sais pas trop comment je vais faire un montage de cette affaire là. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous aurez les photos. Ce qui m'embête, c'est que je vais devoir faire une conclusion à cette vidéo. Et comment vous dire que la conclusion va être très rapide? C'est... ça. Voilà, derrière moi, c'est tout ça. Et là, il y a juste une petite voiture qui a eu un léger accident, hein. Faut le dire, c'est pas grand chose. Hein. C'est une épave, hein, complète. Donc, bah écoutez, on va se retrouver pour un nouvel épisode qui, j'espère, va être beaucoup plus intéressant que celui-ci. Donc je vous dis à la prochaine et puis bah portez-vous bien.